La galère continue donc pour des millions de gens dans toute la France. La paralysie est quasi totale. Papa, ça fait trois plombs que je sonne. Mais j'avais des gros clients hier soir, ils m'ont obligé à sortir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des filles qui ont des papas poules, moi j'ai un papa pute. Marie, t'exagères. Alors on refile le marché au Picard, et point barre. Pour votre avion demain du Bourget, il faudra vraiment décoller avant 10h. Bon, on a qu'à annuler, c'est quoi comme rendez-vous? Mais c'est le mariage de votre fille dans le sud. Ah, ça m'est complètement sorti de la tête. Tu peux me faire confiance, hein? Ouais, bah non, justement. Ah, 12 ans, je vous ai tout donné, à part mon cul. Je la sens mal, la journée, là. Je la veux avec le plat, sinon je casse la dent. C'est une voiture électrique, monsieur? Pardon. Vous allez où? Dans un petit patelin, pas très loin d'Aix. Ah bah c'est sur ma route, moi je descends sur la côte. Il est beau mon jardin, hein? J'attends le prince charmant. Quand je le verrai, je saurai le reconnaître. Je suis pas sûr d'être un prince charmant. C'est un menteur et un lâche. J'étais lâche parce que j'avais peur de te perdre. Emmerde! C'est complètement con d'avoir vécu comme ça depuis si longtemps. On met parfois beaucoup de temps à comprendre les choses les plus simples. Wow.